toi. YouTube, bonjour à toutes surtout, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, speech habituel, si vous ne me connaissez pas, que vous débarquez ici, je m'appelle Alice, j'ai 21 ans, je suis étudiante en école de design et je partage ici avec vous ma passion pour la couture et c'est pour ça qu'on se retrouve pour un vlog couture. Quoi de plus logique. Cette semaine j'avais très envie de vous prendre avec moi, de prendre ma caméra un peu en mode freestyle, je vous l'avoue, j'ai pas vraiment de programme, je sais pas vraiment tout à fait ce que je vais coudre, je sais juste qu'il faut que je termine une robe là que je vais vous montrer, donc c'est tellement freestyle qu'en fait vous prenez la robe en cours de route, même il me reste quelques étapes à faire et elle sera terminée, ça me permettra quand même de prendre le temps de vous expliquer un peu comment j'ai patronné et comment j'ai établi un petit peu cette robe, mais en tout cas pour l'instant elle rend assez bien, je vous la montrerai juste après, il faut que je termine de la coudre tout de suite. Voilà, ceci étant dit, j'espère que vous allez tous très bien, je sais pas si je l'ai demandé, mais voilà. J'espère que vous allez tous très bien, que votre début d'été se passe bien. Moi ça me donne envie de coudre plein de robes, je n'ai littéralement pas le temps, donc c'est pour ça que le fait peut-être de vlogger me permettra de trouver plus de créneaux horaires dans mon emploi du temps. Ça me permet de faire une parenthèse aussi pour vous dire que effectivement j'essaye de sortir une vidéo toutes les 2 semaines, mais c'est pas évident parce que j'ai beaucoup de travail, il faut que je rédige en mémoire, et autant vous dire que... voilà, c'est vraiment la galère et du coup ça me prend beaucoup de temps, c'est vrai que j'essaye de privilégier plutôt mes études, mais j'ai très envie quand même de pouvoir vous poster du contenu assez régulièrement, donc j'essaye d'être régulière, je croise les doigts pour arriver à poster ce vlog à temps, c'est pas sûr, mais voilà, en tout cas vous savez que l'intention y est, voilà. Pour ce qui est du programme de ce vlog couture, comme je vous l'ai dit, c'est un peu freestyle, il n'y aura pas vraiment de... voilà, de trucs établis, j'ai quelques envies, j'ai des patrons qu'il faut que je découpe, je peux vous parler de ces patrons là, j'aimerais bien essayer de coudre un petit crop top, peut-être que je peux prendre, allez, une matinée, une après-midi pour le faire, ça peut passer. Voilà, je pourrais vous parler un petit peu de mes projets de cet été, vous montrer la robe que je suis en train de terminer de coudre, et puis juste se retrouver dans un format un peu plus light, un peu plus cool, détente. Je vais essayer de pas dépasser les 30 minutes pour ce vlog, nous croisons les doigts, et j'espère en tout cas que le contenu va vous plaire, que la suite va vous plaire. Je fais aussi c'est pas une parenthèse, mais un petit clin d'œil à Célia, je n'ai plus le nom de sa chaîne, mais Célia donc qui a posté une vidéo récemment dans laquelle elle mentionne en fait les chaînes YouTube qui l'ont inspirée, qui voilà, qui l'ont permis de se remettre en question, et j'ai été ravie de faire partie de cette sélection, et merci Célia pour tes mots, pour tes encouragements, pour juste ton sourire, voilà. J'ai pas de mots, ça m'a fait tellement chaud au cœur de l'entendre parler de ma chaîne et je suis très contente. Je la lis régulièrement en commentaire, d'ailleurs vous êtes plusieurs à revenir en commentaire régulièrement et ça me fait tellement chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui me suivent régulièrement et qui sont là et qui me soutiennent. Donc voilà, merci Célia, merci à vous toutes et à vous tous et voilà, ça me fait trop plaisir. Je tenais à la remercier de vive voix parce que c'est quand même plus sympa. Et voilà, on va pouvoir commencer ce vlog je pense. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va coudre et puis c'est parti. Je vais pouvoir me mettre de loin. Il s'agit d'une petite robe que j'ai commencé à coudre. Il s'agit d'une robe dans un tissu dont la caméra ne lui rendra absolument pas justice. Et c'est un drap, c'est un 100% coton que j'ai trouvé en seconde main, en recyclerie. Je pense que vous commencez, si vous me suivez, à connaître un peu aussi mon amour et mon engagement pour les tissus de seconde main. Donc c'est ce qu'on va coudre aujourd'hui. Donc il s'agit d'une robe t-shirt comme on en voit beaucoup. Là en ce moment, clairement, on voit 2 modèles de robes, que ce soit les défilés ou même dans les magasins de fast fashion, etc. On voit les robes t-shirt avec des volants, comme ça, avec des bandes volantées, qu'on voyait déjà pas mal l'année dernière. Et les robes style House of CB avec ce fameux décolleté carré, des grosses manches bouffantes et une jupe longue, mais voilà, donc moi j'ai voulu me lancer dans la réalisation d'une robe plutôt t-shirt avec des manches ballon comme ça, très gonflé, très ballon en fait, et puis des bandes froncées. Donc là j'ai le haut de la robe qui est déjà monté, j'ai monté les manches, j'ai fait les finitions aussi de bas de manches, j'ai ma base de t-shirt et j'ai la première rangée de volants comme ça, qui est d'ailleurs beaucoup plus froncée à l'arrière puisque j'ai fait une petite erreur de calcul, voilà, un truc tout bête, et du coup je me retrouve avec un truc un peu trop foncé derrière, mais j'espère que ça se verra pas, si ça se voit bah je démonterai, je referai tout. Et puis j'ai également et ben, le...
le bas, j'ai en fait le volant le plus long et le volant moyen. Donc j'ai le bas et le haut qu'il faut maintenant que j'assemble l'un avec l'autre. Et alors pour l'anecdote, si je suis bloquée sur cette robe et si vous allez voir la fin de cette couture, c'est parce qu'en fait j'ai commencé à la coudre la semaine dernière et lorsque j'ai assemblé mon volant du bas avec mon volant, mon moyen volant, en fait ma machine à coudre s'est déréglée, le crochet de la canette s'est déréglé et donc j'ai dû emmener ma machine chez le réparateur parce que bah, c'est un truc qu'on peut pas régler soi-même a priori, en tout cas moi je sais pas le faire et donc ça m'a fait perdre un petit peu de temps. Il se trouve que aussi appliquée que je sois, eh bien ma machine n'était pas allée en révision depuis que je l'ai, donc ça fait un an et demi que je couds avec une machine qui n'a jamais été révisée. Alors si vous êtes sur Nancy, je suis allée dans le magasin Saint-Gère, rue avenue de Strasbourg à Nancy. Je vous remettrai peut-être le lien de la boutique en barre d'infos. Et si vous cherchez voilà, un réparateur de machine à coudre sur Nancy, je vous les conseille. Voilà, vraiment super, un délai hyper rapide. Et j'ai pas payé ça trop cher. Je crois que j'en ai pour une 50aine d'euros pour faire voilà, réparer et réviser ma machine. Donc c'est très cool, je suis très contente. Je suis contente parce que le format vlog, je vous avoue que c'est un format qui est un peu. On va pas se mentir qu'il est un peu chiant à monter parce que du coup il y a plein de rushs, plein de trucs et tout. C'est assez. En plus, c'est assez décousu parce que souvent il n'y a pas de. Tu fais pas un plan, tu fais pas un scénario pour faire un vlog, mais je vous avoue que c'est assez marrant à filmer parce qu'en fait, c'est un peu freestyle et puis je peux vous parler, je peux vous dire des trucs. Ça me fait marrer parce que ça fait, Solène de l'élégance à la française qui fait souvent ça quand elle coud à la main. Elle me fait marrer parce qu'en fait elle raconte sa vie quand elle coud à la main et moi j'adore. En fait je l'écoute parler et je fais d'autres trucs en même temps et je sais pas, c'est trop bien et c'est vraiment un truc que j'aime bien. Ça fait comme si on papotait entre copines sauf que actuellement personne ne me répond. Mais je suis sûre que dans votre tête vous êtes en train de me répondre. Du coup voilà, c'est un format un peu plus détente que je trouve un peu cool et qui fait du bien aussi de temps en temps à filmer, en tout cas je trouve ça assez chouette. Donc voilà, j'espère que vous aimerez autant que moi. Là je passe ma machine, c'est marrant parce que du coup le réparateur de chez Saint-Gère il a fait plein de tests sur de la ceinture un peu, en tout cas assez épais et du coup j'ai l'impression qu'il a testé presque tous mes points de broderie. C'est assez drôle parce que moi je m'en sers jamais donc voilà. Conseil, c'est faux, j'arrive pas à décrocher de cette manière. Je viens de l'essayer avec des talons, de manière tout à fait élégante de montrer les talons. Ce sont des petites sandales à talons chez Funky que j'ai depuis des années. Et je pense qu'en fait, j'ai juste vraiment trop d'amplitude dans le dos. Donc je pense qu'en fait, je vais reprendre, je vais retirer, je pense bien au moins 20-25 cm de longueur derrière. Et je pense que c'est ce qui sera le mieux pour cette robe. Et ça me permettra certainement voilà, de la porter un peu. Parce que là, j'avoue que. En l'état, bof. J'ai essayé plein de trucs pour ma robe, j'ai essayé de la retailler, j'ai essayé de voir comment je pouvais faire. J'ai peut-être une idée, mais c'est pas sûr. Après, effectivement, elle est... Ouh, il y a du monde au balcon. Elle est très lourde, il y a beaucoup de tissu, elle est très... elle est vraiment... voilà, un peu too much et je pense que j'aurai un peu du mal à la porter, je pense que je l'assumerai pas trop. C'est un peu dommage mais bon c'est comme ça, voilà, c'est pas grave. Je verrai ce que j'en fais, je vais la laisser reposer, je vais la laisser décanter comme ça. Je suis un peu dégoûtée parce que j'adorais vraiment le tissu. Mais je vois pas ce que je peux refaire dedans sachant que j'ai plus assez de tissu pour en refaire donc pour refaire autre chose quoi. Donc voilà, je sais pas, je vais réfléchir, je vais voir, au pire c'est l'ampleur qui est trop grande, enfin, il y a trop de tissu donc je pourrais toujours essayer de réduire mais je sais pas comment encore donc je vais voir. Là je vais me poser, je vais aller lire, je lis le design d'expérience en ce moment de Géraldine Atuel, c'est un livre sur le design et notamment ça m'aide pas mal pour mon mémoire donc du coup voilà je vais aller me poser sur le balcon et lire tout ça. C'est un super bouquin qui est très bien écrit, franchement j'aime beaucoup, en tout cas voilà j'aime beaucoup et alors moi je fais partie de cette team de personnes qui... voilà, je prends des notes et je gribouille dans mon bouquin parce que pour moi un bouquin ça doit être vivant et ça doit être tout gribouillé. Celui-là je l'ai acheté bien évidemment, mais voilà, je vous en donnerai des nouvelles à la fin de la lecture.
bonjour, aujourd'hui on est mardi, je vous reprends en mode caméra à la main, j'espère que personne n'a le mal de mer. Je pense que ce matin j'irai à l'école pour travailler puisque j'ai pas mal de boulot pour les cours, donc pas de couture ce matin. Mais je vous emmène avec moi, c'est le concept du vlog, je me dis que peut-être ça peut vous intéresser, sachant que mon objectif n'est pas que de parler de couture. Voilà, je pense que ça peut être chouette. Donc je vous emmène un petit peu avec moi à l'école, ça va pas être hyper intéressant puisque je travaille toute seule. Voilà, c'est juste être dans le lieu de l'école pour être dans l'ambiance et on va dire être peut-être plus efficace. Et puis cet après-midi, j'ai pas mal de choses à faire. J'aimerais bien aussi voilà, essayer de voir pour cette fameuse robe couleur pêche. Voilà, je sais pas trop comment je vais la rattraper. J'ai réfléchi cette nuit, je ne sais pas. Donc on verra bien. Et puis j'ai d'autres projets. Peut-être que je commencerai par découper des patrons. Il y a des choses que j'aimerais coudre. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Ça va être freestyle. Un vlog couture, mais c'est surtout la vraie vie. Et la vraie vie, c'est que ce soir, c'est le premier match de la France pour l'Euro 2000. Ils appellent ça l'Euro 2020, mais nous sommes en 2021. Et histoire d'être bien dans les clichés avec mon chéri, on a décidé de manger pizza. Du coup, je vais faire la pâte. Et voilà, et vu qu'on a dit que c'était vlog et que vlog veut dire je vous emmène avec moi dans mes journées, et ben on va faire la pizza ensemble. Donc là, je vais faire la pâte. Là, il est 14h et il va falloir que je fasse... Enfin, je la fais en avance, comme ça, elle a bien le temps de gonfler toute l'après-midi. Et tac. Et je vais faire donc la recette de pizza de Marie Laforêt, de son livre Vegan Débutant. Alors je pense que j'aurai des questions à propos de ça. Je ne suis pas vegan, mais je suis végétarienne. Par contre, j'ai beaucoup de plaisir à cuisiner végétalien. Et du coup, je trouve que les livres de Marie Laforêt, les livres de cuisine vegan, donc particulièrement le Vegan Débutant, mais aussi, je vais vous montrer... Mais aussi le livre vegan, comme ça, qui est juste énormissime. Je trouve que c'est deux livres qui sont excellents quand on veut débuter en cuisine végétale et qu'on veut voilà, cuisiner pas mal de trucs, se faire plaisir tout en cuisinant bah, juste végétal en fait. Je trouve ça très cool. Bon, après Maïté dans sa cuisine, c'est le téléachat à tout faire du repassage. C'est vrai que, et je vais faire une parenthèse là-dessus parce que ça me tient à cœur et que je pense que c'est important d'en parler et je sens que la parole se libère vachement là-dessus, mais c'est vrai que les étudiants en cette période compliquée à cause de la crise sanitaire, parce qu'on va pas se mentir, c'est à cause de ça, c'est vrai que ça a pas été évident pour les étudiants et moi je l'ai beaucoup ressenti. Pourtant on a enfin je suis dans des études où on est quand même vachement censé être autonome, on est quand même vachement mon travail, mes études me demandent pas forcément d'être toujours avec un prof. Je peux travailler en autonomie, y a pas de souci. Mais le fait est que la crise sanitaire a quand même vachement impacté notre manière de travailler, notre manière de bosser. Et moi, ça m'a beaucoup miné, ça m'a beaucoup fait mal au moral. Je dois dire que les mois d'hiver là ont été compliqués. Moralement, tout ça pour dire que ça a été, cette année a été très compliquée au niveau études, au niveau voilà, au niveau aussi de la manière dont on envisage l'avenir. Je pense qu'en tant qu'étudiant on met beaucoup aussi en question le modèle économique dans lequel on s'inscrit, qu'est-ce qu'on veut faire en sortant d'études, qu'est-ce que... Je me suis beaucoup posé la question et je me pose encore la question, qu'est-ce que je vais faire quand je vais sortir de mes études, est-ce que je vais trouver un travail, est-ce que je vais être la génération maudite, la génération Covid, parce que bah mine de rien, moi j'ai eu ma licence pendant le premier confinement en gros, donc du coup bah, en fait ma licence on me l'a donnée si tu veux. Bon, ça s'est basé sur notre travail, hein, c'est sûr, mais il n'y a pas eu d'examen à proprement parler. C'était sur la base du contrôle continu, comme pour le bac. Et du coup, bah, j'ai un peu l'impression de ne pas mériter mon diplôme. Alors qu'en vrai, si, hein. Clairement, j'ai bossé et j'ai tout fait pour le mériter. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu... C'est ces questions qui reviennent où tu te dis, bah tiens, est-ce que sur le marché du travail, il va y avoir un retentissement du fait que bah, j'ai mon diplôme? Est-ce qu'il y aura une différence de traitement entre moi et quelqu'un qui n'aura pas eu son diplôme pendant le Covid?
Et du coup, en parlant de seconde main, c'est vrai que je vous parle pas mal de tissus, souvent tissus de seconde main. En parlant de friperie et de seconde main, justement, il y a Céline de la chaîne Is No Good qui a sorti une vidéo sur le site Vinted et je suis ravie de cette vidéo. Je vais fermer la porte parce qu'il y a des bruits de voiture, mais du coup j'ai trouvé ça trop bien parce que Céline, en fait, donc c'est une nana qui est blogueuse, influenceuse, voilà, youtubeuse aussi essentiellement, et qui traite en fait de tous les sujets de voilà, mode éthique, de mode durable. Elle a écrit un livre qui s'appelle Mon dressing heureux, qui parle justement de comment en fait avoir un dressing qui soit éthique, éco-responsable, qui soit durable, enfin voilà, qui soit sain quoi, et tant au niveau environnemental qu'au niveau humain et éthique. Et je trouve qu'elle a une démarche qui est super, et donc elle décrypte régulièrement des enseignes, des marques, pour voir si on a affaire à du greenwashing, à des techniques de marketing, ou si on a affaire à du vrai marketing. Et elle a sorti donc une vidéo sur Vinted où elle parle justement de en quoi Vinted n'est pas une solution à long terme. Et je suis tellement contente de cette vidéo parce que c'est exactement ce à quoi je pense quand je vais sur Vinted, mais j'arrivais pas à le formuler. Et là, je suis trop contente parce qu'elle a exactement mis les mots sur ce... Enfin, voilà, exactement les mots pour mots ce que je pense. Et je suis très contente. Par exemple, là, je porte des baskets, les New Balance que je viens de vous montrer, je les ai achetés sur Vinted. Moi, Vinted, c'est un outil que j'utilise uniquement lorsque je vais acheter des chaussures, parce qu'en fait les chaussures de seconde main, je les trouve pas en friperie, je trouve pas ce que je veux, parce que eh bien je fais du 40, je cherche souvent des chaussures très précises, des baskets avec une couleur très précise, etc. Et du coup, je trouve pas mon bonheur en friperie, hein, c'est très très rare. Ça m'est arrivé une fois de trouver une paire de chaussures, sinon soit c'est trop petit, soit le style ne me plaît pas quand c'est ma taille. Donc voilà, pour trouver des chaussures, je vais sur Vinted, ça me permet d'avoir une démarche voilà, complètement seconde main. Mais du coup voilà, avec l'outil de recherche Vinted qui est très 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 pointu comme le mentionne Céline, c'est vrai que c'est plus facile pour moi, et donc c'est pour ça que je l'utilise. En revanche, c'est vrai que je suis d'accord avec elle sur le fait que quand on utilise Vinted un peu sans réfléchir, sans se poser de questions, ce que veut finalement la fast fashion, eh bien on rentre dans les mêmes logiques de consommation et surtout de surconsommation que en fait que veut la fast fashion, c'est-à-dire nous faire consommer toujours plus rapidement et sans réfléchir, sans se poser de questions sur nos réels besoins. Et c'est un truc voilà, que Vinted continue de mettre en place, en tout cas continue d'alimenter, parce que bah, les petits prix sur Vinted, le côté attractif, le côté aussi jouer avec la demande, avec la pulsion d'achat, en fait c'est complètement marketing, c'est complètement dans la même démarche que la fast fashion, même s'il s'agit d'une démarche de seconde main. Alors du coup, je vais nuancer aussi parce que je pense que ça va être des propos qui peuvent être assez... qui peuvent porter un peu aussi à confusion et tout, mais effectivement je trouve que Vinted c'est un super outil. Moi je l'utilise pour voilà, pour acheter des chaussures, j'aime beaucoup, je suis très contente quand je cherche vraiment quelque chose de très précis. Vinted, je trouve que c'est super, mais effectivement je pense qu'il faut vraiment avoir très conscience de la manière dont on consomme et des choses que l'on consomme aussi sur Vinted pour pouvoir en fait faire en sorte que cet outil soit vraiment intéressant et soit pas néfaste comme peut l'être la fast fashion. Pour ce qui est du programme de cet après-midi, j'ai une valise à ranger, donc je vais aller le faire tout de suite, et puis je vais également peut-être commencer à coudre le crop top Marguerite. J'ai lu hier les instructions de montage, donc j'ai le bouquin ici, j'ai lu hier les instructions de montage pendant le match France-Allemagne. C'était un match beaucoup trop tendu pour moi, beaucoup trop stressant, donc à un moment donné je me suis dit je vais exploser de stress, donc j'ai pris mon livre et j'ai commencé à lire les instructions de couture. Voilà, ça m'a changé les idées, c'était pas mal, et du coup j'ai déjà en tête un peu toutes les étapes de couture qu'il va falloir que je fasse. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh bien il faut encore que je travaille un petit peu, je pense que je vais m'y remettre une ou deux heures. J'aimerais bien aussi prendre le temps de lire, donc je continue mon livre Le Design d'Expérience, qui est très très bien franchement si vous vous intéressez au design et tout ça, sur la question justement d'expérience et de designer l'expérience en fait. Ça peut être très intéressant pour vous. Voilà, je vous laisse là. Je viens de monter donc l'empiècement dos sur la bande dos,
J'ai dû redécouper ma bande d'eau parce que quand j'ai surjeté au niveau du V, ça m'a fait, ça a retiré trop de matière. Donc du coup, tant pis, je vais pas surjeter à l'intérieur. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est qu'il y aura une doublure, donc tout ça, on le verra pas. Donc tout ce qui va être en fait dans le vêtement, je pense que je vais même pas m'embêter à surjeter. Donc voilà, là, j'ai épinglé mon V, je vais venir le coudre. Donc on fait une surpiqûre. Je pense que c'est la technique la plus simple. J'ai décidé de pas bâtir. Je vais tester comme ça. Je pense que ça peut le faire. Et voilà, je vais coudre ça ensemble. Et ensuite, je ferai du coup exactement les mêmes étapes pour la partie devant. Donc j'ai commencé par le dos en me disant que si c'était un peu pas super bien fait dans le dos, c'était pas très grave. Devant c'est un peu plus embêtant, mais là ça devrait aller. Voilà. Alors, petit point ourlet rouloté. Je suis passée sur la machine et c'était une vraie galère. Je me suis dit, ah, c'est moins courbe et tout, ce sera plus facile. Non, c'est une vraie galère. Donc, j'ai galéré. J'ai pas fini. Ma finition ici, on verra pas super bien. Mais voilà, elle est juste. Voilà. C'est pas que c'est pas terrible, c'est que c'est horrible. Donc, je pense que je retesterai ce pied pour ourlet rouloté. Mais là. Là je regarde le résultat, mais même au début où je pensais que c'était bien, en fait c'est pas ouf. Donc je pense qu'il faut que je prenne le temps de m'entraîner et j'ai pas envie de faire ça maintenant. Par contre du coup j'ai testé le rouloté à la machine à coudre, à la surjeteuse. Voilà du coup ce que ça pourrait donner avec la surjeteuse. Donc c'est sûr qu'on verrait un surjet, mais franchement je trouve que c'est assez discret. Ça se voit pas beaucoup, en plus c'est blanc sur blanc. Donc je trouve que franchement ça passe plutôt bien, ça fait même une jolie finition. Donc je pense que je vais pas m'embêter, je vais faire en fait mes finitions de volant à la surjeteuse. Donc tant pis, je vais reprendre directement là-dessus à la surjeteuse. Donc voilà, donc on passe en mode surjeteuse, ça va aller un peu plus vite. Il va être 18h, donc je vais m'arrêter là. Je pense que je vais surjeter mes deux volants et puis ce sera très bien pour aujourd'hui. Hello, nous sommes aujourd'hui jeudi, il est 9h55, il est bientôt 10h. Je vais partir avec une copine vers 10h30 pour aller dans les Vosges. Ce matin, donc j'ai encore quelques. J'ai un petit peu de temps. J'aimerais bien essayer d'avancer sur le petit crop top Marguerite. Donc là, j'ai fait les empiècements devant, j'ai fait les empiècements dos. Je vais commencer à poser, à surjeter et à assembler les deux morceaux devant et dos, donc le corps du vêtement. Et puis ensuite, on pourra commencer à assembler les volants. Ça se passe bien pour l'instant, je suis assez contente. Et bien voilà, on va s'y mettre. Je vais donc faire Marguerite. J'ai trop hâte de voir le résultat. J'aurais bien aimé le mettre aujourd'hui. Enfin, d'ailleurs, aujourd'hui, petite tenue du jour, on verra pas. Mais je porte ma petite jupe maison que j'avais cousue il y a un an grâce à un tutoriel, mais ça je vous en reparle bientôt puisque j'aimerais vous faire une vidéo sur des patrons en fait pour débuter la couture. C'est un truc qui me tient à cœur et que voilà, auquel je réfléchis depuis quelques temps. Donc voilà, je me mets sur Marguerite, je vous montre quelques étapes. J'ai pas beaucoup filmé les étapes de montage puisque c'est un vlog, c'est pas vraiment un tutoriel ni vraiment un sew along, genre on coud ensemble un truc. C'est plus vous montrer un peu l'avancée de ce projet là, mais voilà, je vais vous montrer un petit peu ça, je vais assembler et puis c'est parti. Hop, bon, j'ai épinglé du coup le volant avec le corps de la blouse, j'ai pas encore cousu, il faut que je fasse une petite piqûre morte. Ensuite je viendrai en fait poser l'empiècement comme sur la première étape en fait, où on vient faire un rentré et poser l'empiècement dessus et coudre en fait avec une surpiqûre. Donc je viendrai le faire pour combler le triangle au milieu. Mais regardez déjà ce que ça donne, je trouve ça trop beau. Alors on est un peu surexposé là, donc vous voyez pas grand chose. Mais voilà un peu la blouse, ce qu'elle donne déjà, je trouve ça trop cool. Voilà, c'est très faux fever, franchement je me suis archi fan. Je le trouve vraiment, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Je vais devoir m'arrêter là pour la couture, je reprendrai ce soir. Je pense que je vais essayer de le terminer ce soir en rentrant. Aujourd'hui c'est un peu ma journée off on va dire, où je vais en vadrouille, je vais manger au resto et je couds. Donc c'est chouette, j'essaierai aussi de commencer un petit peu le montage. Pour ce qui est des étapes de la blouse, donc il me restera comme je vous l'ai dit à surpiquer le volant, à poser les empiècements, surpiquer les empiècements et ensuite on passera aux manches, donc la pose des volants avec donc, un petit fil de fronce à coudre. Il y a également un fil de fronce à poser sur les manches
et donc je pourrais poser le volant, la manche et faire les finitions. Ah oui, j'oublie toujours, mais il nous restera la grande étape avant de s'occuper des manches, la grande étape de la doublure, puisque je veux doubler le corps du vêtement. Donc voilà, et une fois que la doublure sera faite, du coup je pourrai faire les finitions au niveau du col, à savoir coudre la goutte et coudre notamment le petit bouton avec la petite lanière pour pouvoir attacher tout ça. Donc il nous reste quand même un petit peu de travail, cette étape de patronage je pense va me prendre un petit peu de temps. Globalement je suis assez contente pour l'instant du patron, je le trouve chouette. Voilà, je n'en dis pas plus, je m'en vais en vadrouille et je vous retrouve du coup ce soir pour coudre la fin de cette petite blouse. J'espère, je croise les doigts pour avoir le temps, normalement ça devrait aller mais voilà. Bon, cinquième et dernier jour de ce vlog aujourd'hui, nous sommes vendredi 18 juin. J'ai pas beaucoup filmé hier, voire très peu, j'ai juste continué un petit peu mon crop top Marguerite comme vous l'avez vu. Et puis ensuite je suis partie en vadrouille avec une copine. Hier donc nous sommes allés dans les Vosges et en rentrant des Vosges on est passé chez Emmaüs 54, donc à Nancy, pour trouver quelques petits trucs. Je cherchais essentiellement des tissus mais vu qu'on y allait en fin de journée il y avait assez peu de choses. Il y avait pas mal de choix mais peu de textiles qui me plaisaient. En revanche j'ai trouvé 2-3 petits trucs que je vais vous montrer tout de suite qui je pense pourront vous intéresser. Je prévois notamment de vous faire une vidéo upcycling, en tout cas thrift flip, c'est hyper dur à dire, un truc que j'ai vu dans une vitrine et que j'ai très envie de reproduire, donc j'ai acheté tout ce qu'il faut pour réaliser ce DIY on va dire. La coopération est inexistante entre ma frange et moi. La première chose que j'ai acheté c'est ce t-shirt I love Singapour. Vraiment il est... Voilà, c'est un t-shirt en taille XL, donc absolument immense. Bon, je pense pas que ce sera si immense que ça sur moi, je l'ai même pas encore essayé. C'est un petit t-shirt couleur lilas, I love Singapour, absolument peu sexy comme ça, mais j'adorais la forme du t-shirt et j'adore la couleur surtout, ce lilas que je trouve très 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 joli. J'en ai de plus en plus dans mon dressing, de toute façon c'est assez facile d'en trouver puisque c'est la couleur de l'année. Donc du coup, voilà, mais j'aimais beaucoup la forme et c'était le seul t-shirt comme ça qu'il y avait. C'est un polyester hein, probablement puisque c'est un t-shirt qui est assez ouais ça doit être du polyester. Ah non, coton élastane, j'ai rien dit, c'est du coton mais il y a beaucoup d'élastane dedans puisqu'il est très extensible, on dirait un peu de matière de sport. Et je l'ai acheté pour faire un petit tuto DIY que je vous montrerai plus tard. Il s'agit d'un petit t-shirt que je vais twister avec cette taie d'oreiller dont on ne verra absolument ni le motif ni la couleur. C'est très sympa, merci la balance des blous. Ouais, voilà, là on se rend un petit peu compte. C'est une taie d'oreiller comme ça avec plein de fleurs assez abstraites. Ça fait vraiment très vieillot quand je regarde ça comme ça. Alors, la forme de la taie d'oreiller est géniale parce que du coup... Donc j'ai vu en fait un t-shirt de chez Aigle en vitrine avec un carré de tissu comme ça très fleuri sur un t-shirt tout simple. J'ai trouvé ça trop trop beau donc je vais reproduire ça avec ce t-shirt. Donc j'ai trouvé la taie d'oreiller qui matchait bien avec les couleurs du t-shirt. Et ensuite j'ai trouvé un tissu, alors il s'agit pas d'un rideau mais cette fois-ci c'est la version drap de lit. Alors je ne sais pas, tout le monde se débarrasse de ce tissu en ce moment. Il s'agit du fameux tissu rose poudré comme ça brillant. Quelle joie de le trouver une nouvelle fois. Donc je suis très contente, moi je le trouve trop trop beau ce tissu. Et donc je vais pouvoir sans aucun doute réaliser la baroudeuse de Française une fois, ainsi que le sweat frika de fibre mood. Donc je suis contente, je vais laver tout ça. Ah oui, c'est pour ça que je voulais pas faire le DIY aujourd'hui, j'ai pas lavé les tissus. Au niveau de mon crop top Marguerite, il me reste pas mal de choses à faire. Il faut que je pose les volants sur les épaules, il faut que je pose les manches et il faut ensuite que je pose la doublure, que je fasse la finition au niveau du col. Donc il me reste encore un petit peu de job, je pense pas avoir le temps de faire ça aujourd'hui, donc je vais laisser le projet en stand-by jusqu'à lundi. Je suis désolée, nous ne terminerons pas ce crop top dans ce vlog, mais je vous le montrerai dans le prochain bilan couture. Donc comme ça, ça vous permet de revenir me voir pour le bilan couture pour voir le résultat. Autre chose, et c'est en fait c'est le truc le plus important qu'il faut que je passe aujourd'hui, c'était l'anniversaire de ma maman la semaine dernière, je vais la voir ce soir et donc il faut absolument que j'ai un cadeau, j'avais complètement zappé.
J'ai trop de choses à penser en ce moment et du coup ça m'est sorti de la tête. Donc il faut que je lui couse un petit cadeau. J'avais déjà quelques idées en tête mais j'avais absolument pas calculé qu'il fallait que je fasse ça cette semaine. Donc je vais lui coudre un petit porte-carte pour ses cartes de visite. Donc pour faire un petit étui pour mettre ses cartes de visite dans son sac à main. Et je vais lui coudre également un petit, une petite trousse toute simple en forme de triangle, voilà, avec une pression. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça va être très très simple mais voilà, ça va juste permettre de faire un petit cadeau sympathique. J'espère que ça va être cool. Ok, je vais terminer avec mon téléphone, la qualité, le son sera vraiment différent du reste de la vidéo mais c'est pas grave. Je vais terminer ce vlog ici parce que du coup ma caméra a complètement coupé tout à l'heure quand j'étais en train d'établir les patrons. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du coup j'ai cousu les petites choses pour ma maman, donc voilà le porte-carte, voilà ce que ça donne à l'intérieur. C'est juste voilà, crafter des petits trucs sympas. J'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus clean mais ça fera très bien l'affaire. Pour aujourd'hui, je dois lui offrir ce soir, je suis un peu pressée. Et puis la petite pochette qui rend comme ça et j'ai mis une petite pression avec un petit cœur, c'est trop mignon. Voilà, je vais emballer tout ça, je vais lui écrire un petit mot, je vais lui faire un petit dessin et ce sera très bien pour ce soir je pense. Je dois encore lui offrir une partie de son cadeau de Noël aussi, donc voilà, ça fait du job. Du coup j'achève ce vlog ici, j'ai été ravie de vlogger cette semaine, ça a été un peu chaotique parce que j'avais pas mal de travail et j'ai vadrouillé hier, donc voilà, pas toujours évident de filmer. J'espère en revanche que le contenu vous plaira quand même. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez d'autres idées aussi pour les prochaines vidéos. Il y a certainement une vidéo face caméra, un peu chill, un peu tranquille, qui sortira d'ici 2 semaines. J'essaye de tenir le rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, je serai certainement en retard pour celle-ci d'ailleurs parce qu'il faut que je la monte et que c'est très long, mais voilà, une petite vidéo tranquille qui arrive dans 2 semaines. J'espère en tout cas que vous vous portez bien, que la chaleur vous fait du bien, que vous n'êtes pas tous en train de dessécher. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Vous pouvez aussi me laisser un like, ça m'encourage. Vous pouvez commenter la vidéo, je lis vos commentaires, je vous aime, je vous réponds. Voilà, et puis voilà, c'est tout, on se retrouve dans 2 semaines. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à la prochaine.